Le magazine Forbes, qui publie le classement des joueurs les mieux payés de la planète, a dévoilé que c'est Kylian Mbappé qui occupe la première place avec 128 millions de dollars durant l'exercice 2022-2023. Le joueur français devance Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Nous allons vous proposer le top 10 de ce classement. Mais avant cela, il faut comprendre que c'est une première pour le classement habituel dominé par le duo Ronaldo-Messi. À noter aussi la surreprésentation du PSG et de la Premier League avec l'arrivée d'Erling Haaland avec 4 joueurs, Ronaldo, Salah, Haaland et De Bruyne. La Première Ligue est le championnat le mieux représenté, suivi par la Ligue 1 ou plutôt le Paris Saint-Germain. Seul club français dans le classement qui compte 3 joueurs, Mbappé, Messi, Neymar. Mais dans sa globalité, le championnat anglais semble vivement apparaître comme un monstre financier. Selon un rapport relayé par Forbes, les clubs de Premier League ont dépassé un record de 2,2 milliards de dollars en transfert cet été, 67% de plus il y a un an. Nous allons maintenant vous présenter le top 10 de ce classement. La 10e place avec Kevin De Bruyne, 30 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de sponsors. La 9e place avec Andrés Iniesta, 31 millions d'euros, dont 5 millions de sponsors. Avec la 8e place, Eden Hazard, 32 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de sponsors. La 7e place avec Robert Lewandowski, avec 36 millions d'euros, dont 8 millions d'euros de sponsors. Erling Haaland occupe la 6e place avec 40 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de sponsors. Et c'est Mohamed Salah qui occupe la 5e place de ce classement des joueurs les mieux payés au monde. D'ailleurs, c'est le seul joueur africain présent dans ce classement du top 10. Le pharaon va être en effet percevoir 53 millions d'euros en 2022-2023, d'après le média qui précise qu'il va toucher 35 millions d'euros de salaire et 18 millions de sponsors. Il s'agit d'un montant colossal qui s'explique notamment par la popularité du joueur chez lui en Égypte. Le Red reste toutefois loin de Kylian Mbappé, leader avec 128 millions d'euros de revenus, encore Lionel Messi, mais il devance les pointures comme Erling Haaland et Robert Lewandowski. Neymar fait partie de ce top 10 et il occupe la 4e place. Le joueur brésilien gagne 89 millions d'euros. La star brésilienne est devancée par de grands joueurs, mais reste le seul joueur brésilien dans ce classement. Et le numéro 3, il s'agit du portugais Cristiano Ronaldo. 3e avec 102 millions d'euros, qui trône parmi les footballeurs les plus riches. Ce trio de têtes concentre à lui seul plus de la moitié du total record de 652 millions de dollars de revenus, regroupant les 10 plus gros salaires du football mondial. L'an passé, le top 10 se cumulait 585 millions de dollars. L'augmentation s'établit à 11%. Et c'est Lionel Messi qui occupe la 2e place de ce classement. Pour la première fois depuis 2014, ce sont ni l'Argentin Lionel Messi, coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, et 2e place de cette liste avec 120 millions de dollars, ni l'éternel rival de ce dernier, Cristiano Ronaldo. La Pulga occupe donc la 2e place du top 10 des joueurs les mieux payés de la planète. Et c'est l'attaquant français Kylian Mbappé qui occupe la 1e place de ce classement des joueurs les mieux payés de la planète avec une somme dingue de 128 millions de dollars. L'attaquant français, champion du monde en 2018 avec les Bleus, devrait émerger à 128 millions de dollars avant impôts et frais d'argent, a estimé Forbes, la référence en termes de sport business, un record pour le sport selon le média spécialisé qui a classé l'international tricolore dans la trajectoire des prodiges aux côtés du joueur de football américain Alan, 25 ans, de la transwoman japonaise Naomi Osaka, à 24 ans, ou encore du pilote F1 Max Verstappen, avec 24 ans. Ses revenus sont estimés à près de 130 millions d'euros, avec 18 millions d'euros de sponsors. Mbappé, qui a décidé en mai de prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, après avoir songé partir au Real Madrid, percevra au cours de l'exercice 2022-2023 environ 110 millions de dollars entre son salaire et une partie de sa prime à la signature, estime Forbes, citant des experts du secteur. Selon vous, chers amis, que pensez-vous de ce classement du top 10 des joueurs les mieux payés de la planète?